Donc voilà, je quitte Die pour aller en direction de Châtillon-Diois. Et donc je passais pas loin de l'abbaye de Valcroissant. Je longeais les contreforts du Glandas pour après rejoindre le GR. Allez, je commence à prendre un chemin plus terreux. Je quitte le goudron. Là, je commence à prendre du dénivelé. Et à quitter la banlieue de Die. Donc là, je quitte le col de l'abbaye, je descends sur Pérol, et après je remonte un col qui est en face, le col d'Écho, pour rejoindre la...
Pour rejoindre les plateaux, après, du col de Caux, je rejoins l'itinéraire de Châtillon. Ouais, j'ai pas beaucoup filmé tout l'itinéraire d'avant, parce que soit c'est des chemins dans la forêt très répétitifs, soit c'est les chemins forestiers qui sont inintéressants. Là, ça commence à devenir plus agréable, au niveau visuel, au niveau chemin. Le col des Caux est en face, dans les nuages, là où je dois aller tout à l'heure. Voilà, c'est le col des Caux. Donc là, il pleut. Je suis dans le brouillard. Et je pense que ça va pas s'arranger. Donc, vu qu'il est assez tard, je me demande si je vais pas trouver un coin pour planter la tente là. Au début, je voulais la planter à côté de la cabane de Châtillon. Mais je suis assez loin là, du coup. Et j'en ai un petit peu ras le cul. Donc, je vais voir si je trouve un endroit agréable. Donc voilà, je me suis arrêté là, j'en pouvais plus. Vous voyez, je me suis installé là. Ben là-bas dans la vallée, le village que vous voyez, c'est Châtillon-d'Yvoy.
Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais les montagnes du Glanda se dégagent là. On en voit un petit bout qui commence à apparaître. Oui, il y a du ciel bleu là-dessus aussi. J'espère que pour demain, ça va être comme ça. Avec du ciel bleu.